Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payen et je vais être avec vous pendant trois quarts d'heure, un petit peu plus, un petit peu moins. Et je suis accompagné, comme toutes les 2 semaines, de Monsieur Kyle Webster. Salut, salut. Salut Kyle, bonjour, bienvenue à toi, bienvenue à tous les gens Bonjour, qui nous bonjour. suivent, bienvenue à tous les habitués, parce que je sais qu'il y a des habitués avec nous qui sont en direct sur la chaîne YouTube Adobe France. J'ai vu Pierre, Delphine qui sont là et qui ont même joué et qui ont même répondu au petit sondage que je vous ai mis. Et bienvenue aussi à tous ceux qui nous rejoignent du côté Behance sur behance.net/live/fr. Alors, comme d'habitude, on est sur une petite série, une petite session relativement courte, sur laquelle, eh bien, Kyle va nous faire du dessin pendant une petite heure. Donc ça, on va regarder dans quelques minutes. Pour mémoire, donc, on est toujours sur le petit planning de la semaine que je vous avais évoqué il n'y a pas très longtemps maintenant. C'était il y a juste quelques minutes dans le live sur Illustrator, un peu plus haut. Et vous pouvez toujours nous retrouver, donc nous retrouver sur la chaîne, retrouver les replays directement, retrouver tous ces contenus. Je suis en train de faire des bêtises. Hop, on va annuler ça. Je suis en train de faire des bêtises en direct, Kyle. Tu te rends pas compte? C'est tellement, tellement une mauvaise idée. Voilà, on va faire ça. Donc, on est ensemble en direct, donc pour une petite heure, un peu moins. Lundi, il y avait Eva Strada. Tout à l'heure, j'étais sur Illustrator. Demain, ce sera au tour d'Alexandre Soubrier où on parlera de motion design sur After Effects. Et on enchaînera avec Alexandra Sophie pour de la photo, et on terminera la semaine avec Julie du studio Kai. Donc vraiment, vraiment plein plein de trucs cette semaine à regarder. N'hésitez pas à nous suivre. En attendant, j'ai posé la question dans le chat et je leur ai demandé si vous voulez qu'on dessine plutôt sur le thème du sport ou sur le thème de la mode. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu as proposé ces deux thèmes? Est-ce que c'est des thèmes que toi tu aimes bien? Oui, c'est ça, simplement. J'aime bien les deux. Très bien. Ah Donc en tout cas, j'ai mis le lien, j'ai vu qu'il y avait Cosmo KitKat et Felipe qui étaient du côté YouTube. Du côté YouTube, donc pour l'instant, c'est le sport qui gagne à 70%. Du côté Twitter, qu'est-ce qui gagne pour l'instant? Hop, la mode. c'est la mode qui gagne du côté. Ah oui, sur Twitter, il y a plus de votes et il y a plus de votes pour la mode. Et du côté Behance, on a. Tac, tac, tac. Mode, puis sport. Non, mais dis donc, c'est pas possible ça. Mode et sport. Des tenniswomen et des footballeurs en smoking. Ouais, je pense que c'est la mode qui va gagner cette semaine. Hein. OK. Ouais. Allez. À la prochaine fois, on va faire La... du sport. Ouais, la prochaine fois, on arrête de laisser choisir les gens et on fait ce qu'on veut. Oui. Allez, on passe sur ton navigateur, sur ta fenêtre. Et du coup, aujourd'hui, on est sur Fresco. Adobe Fresco, oui. Yay. Et OK, on va commencer. Alors, la mode. Je vais commencer avec des marques, comme d'habitude. Et il faut choisir une brosse. Et je crois que je vais commencer avec, je vais choisir quelque chose de Mixer Brushes. Faut savoir aussi pour les gens qui n'utilisent pas Fresco trop souvent ou qui même en Photoshop, on a des Mixer Brushes et des brosses au mélanger, c'est Les ça? pinceaux mélangeurs. Pinceau mélangeur. Oui, d'accord. Comme ça, tu peux mélanger des couleurs sur l'écran, sur le canvas, la toile, si tu veux. Comme ça. Choisis couleur. Bon, je mets un peu de couleur là et choisis un autre. Et tu vois comment ils vont mélanger les deux. Et si j'utilise Softy Mixture, peut-être que ça va être plus évident. Tu peux voir que l'orange. Il passe du plus foncé au plus clair. Je vais ça et ça. Très sympa.
de voir comment entre jaune et rouge, on a orange. Alors, tu peux mélanger les couleurs. Comme ça. Et en fresco, comme beaucoup de monde déjà savent déjà, on a aussi des huiles qui vont mélanger les couleurs. Avec la texture et. Avec de la matière en plus. Et on a même l'impression qu'il y a height, depth. Tu fais de la profondeur. Quand tu grattes, tu as vraiment de la matière. C'est l'impasto. Oui. OK. Alors, commencez. Mixer, brushes. J'ai très bien aimé Softy Mixer. Hein. Je crois que je vais commencer avec ça. Et une couleur comme ça. Et on va juste faire. Donc, et je crois que je vais mettre ça un peu plus vers les verts. Et puis, chose plus foncée. Et changer de Monet. Monet Mixer. Ce nom, on connaît Monet. Tout le monde connaît Claude Monet, normalement. On a habitué les gens J'espère. en plus. Et du coup, tu as vraiment une patte impressionniste sur le mélange de peinture. Une chose que j'aime bien en fresco aussi, c'est qu'il n'y a pas de lag. Je sais pas comment dire ça en français. Lag Alors, quand. on dit que ça rame quand ça lag. Ouais. Ça rame, bon d'accord, c'est Ramer, difficile tu sais, à comme dire ça pour quelqu'un. puisqu'on n'avait pas de. On fait de la mode aujourd'hui et pas du sport, on va pouvoir parler d'aviron quand même. Ah. So sailing. Ok. Et de plus, on peut utiliser smudge. C'est quoi en français? Smudge, c'est l'outil. Alors, il s'appelle l'outil doigt en français. Je sais plus comment ils Petit l'ont appelé dans doigt, bon. Fresco. Un fresco, n'importe quel pinceau peut être utilisé comme ça. Je vais choisir quelque chose qui est similaire de Monet dans la catégorie peinture. Et on a ici Cézanne 2, voilà. Ou peut-être un, bon, faut voir. Et je vais les mélanger comme ça. Donc ils ont appelé ça des pinceaux d'étalement. Étalement pour Étalement. spill. Tu sais. Ah, ok. Il y a Rémi qui nous dit, ils ont même une chanson pour ça, ça s'appelle Money, Money, Money. Ah, ABBA. Exactement. It's Tout à fait. Ah, maintenant ça va être. On va se faire un strike par YouTube. Interdit de chanter les chansons des autres. Et ok, maintenant je veux décider comment sculpter cette de l'image. Comment faire? Je peux utiliser une brosse pour ça, un pinceau pour ça, ou je peux utiliser peut-être lasso ou quelque chose. Je ne sais pas encore, mais je vais commencer à créer une forme. Et après ça, je vais changer peut-être d'avis, faire quelque chose d'autre, mais je ne sais pas encore. Il faut simplement mettre quelque chose sur la toile. Et après, tu réagis à ce que tu vois et tu continues à faire ça encore et encore et encore. Et éventuellement, tu vas avoir quelque chose qui marche. Et sinon, toi, toujours undo Ouais, tu peux toujours et. annuler et revenir à l'étape d'avant. Annulé, voilà. Tu as aussi des calques et tu peux. Oui. Et c'est n'importe quoi. Ok. Je vais faire juste une chose. Et c'est ça. Avec
Les aquarelles. J'ai sélectionné Watercolor Wet Spatter. Et je vais utiliser ce pinceau, ce brosse sans couleur. Juste d'eau. D'accord. Tu vas mouiller la feuille. Ici, tu peux voir que on a ce cercle ici. Ouais, qui est sur la Tape transparence. Ouais. là. Et si je tape là, tu vois que la couleur a disparu. Et il faut, avant, il faut dry layer, il faut Il faut sécher le. Parce que si sécher tu le mélanges de l'huile sur de l'eau, ça cadre. marche ou ça marche pas? Si tu fais pas ça, l'effet va être différent. D'accord, ouais. L'effet va être différent. Je peux faire encore sécher. Et je ne sais pas si tu peux voir ça, mais on a maintenant Ah, les des fameux petites spatters, marques. les petits bords en plus. Oui, et ils ont aussi une ligne Il y a un petit contour tout autour, tout léger. autour de. Oui. Et Fresco est la seule chose où tu peux faire. La seule Hop, app qui peut application. faire ça. OK. Voilà. Et maintenant, on va couper cette partie ici. Et puis, couper cette partie ici. Et maintenant, couper un peu plus. Et ajouter une calque. Un calque ou une calque? Un calque. Merci. Un calque. Et tu sais que tu peux garder le transparency, comment dire, lock transparency. Et tu peux Sur. verrouiller en fait toute la transparence. On peut garder en fait les éléments qui sont déjà transparents vont rester transparents. Ça va éviter de peindre partout autour de la feuille. Et oui. Et comme ça, je peux, si je veux, je peux faire ça. Et tu vois comment je ne peux pas peindre ici. Ouais, tout Seulement reste dans la dans. zone. C'est un peu comme si on avait mis un masque, mais du coup, c'est si tu travailles sur ta création au fur et à mesure, c'est bien ça. Ouais. Avec les FX, juste le spatter. Comme ça, je peux changer de flow. Le flux de. Et je peux faire ça. Hop. C'est amusant de faire ça. OK, maintenant sur l'autre calque, on va utiliser Ink Spread.
Ici. Ok. Et changer de couleur. Il y a Nadine qui nous dit, ça fait un peu comme le dessin à l'intérieur d'une forme dans Illustrator. Le verrouillage Oui. des calques. Ouais, il y a ça aussi. Et Rémi nous dit, c'est comme aussi le calque décrétage dans Photoshop. Je cherchais comment le faire dans Fresco, c'est chouette. Le calque décrétage, en plus, Rémi, tu peux le faire directement. Il y a une icône hein, sur le panneau de droite où tu peux masquer, en fait. T'es pas obligé de faire une sélection, etc. Tu peux vraiment le faire sur un objet. Et pour dessiner, j'utilisais Blotty Ink. Et Rémi qui nous dit bravo pour les broches d'automne, elles sont magnifiques, monsieur Webster. Oh wow. Donc ça doit vouloir dire qu'elles Merci. sont arrivées. Maintenant, il y a... Est-ce qu'ils sont déjà live en France? Je ne sais Oui, pas. ça y est. Ça Cool. y est, c'est sur le lien, vous pouvez les rajouter directement dans votre Fresco ou dans votre Photoshop. Et vous pouvez cliquer sur obtenir plus de pinceaux ou petit plus en bas du panneau de brosse. Excellent. Et qui nous demande si c'est sorti. Oui, c'est sorti. Et maintenant, je vais utiliser cette fois-ci que j'aime, c'est en anglais, c'est Blockstain. Je ne sais pas s'ils ont changé le nom en français, mais. Alors, je ne sais pas du tout comment ils l'ont appelé. Et mettre tous ces calques Dans un groupe. dans un groupe. Comme ça, je vais avoir assez d'espace pour ajouter les pieds. Parce que moi, j'aurais triché, hein. J'aurais pas dessiné les pieds, c'est toujours plus long à faire les pieds. Est-ce que tu connais Proko, Stan Prokopenko? Ça me dit rien du tout. Il est sur YouTube et il a des classes, si tu veux, sur l'anatomie et dessiner des parties du corps. Et D'accord. pour dessiner des pieds, il a quelques vidéos qui sont très utiles. D'accord. Stan Prokopenko, proco.com. Proko, voilà. Je crois que sur YouTube, il a au moins 2 millions. Ça fait un paquet de gens qui regardent. Donc, si vous cherchez. Et Pierre nous dit Proko is amazing. Il est super. Oui, s'il te plaît, Pierre, ici on parle en français. C'est le thème de la session.
OK. Et encore avec Blotty Ink. Et ici en fresco, j'ai toutes les couleurs que j'ai déjà utilisées ici en bas. Sélectionner ça encore, ou peut-être, oui. Non, peut-être je vais utiliser blanc. Je veux juste faire des lignes comme ça. Peut-être que cette main n'est pas trop bien fait. Je peux changer. Meilleur. Mieux, mieux, pas meilleur. Mieux, pardon. J'ai du mal toujours avec les deux. Ah, Meilleur c'est pas facile, et hein. mieux. It's best or better. Meilleur, c'est best, n'est-ce pas? Oui. Et du coup, le on peut dire que c'est mieux dans un premier temps. Et encore avec l'outil doigt. Est-ce que je vais utiliser Canvas Brush? Oui, peut-être. Comme ça. Cool. Nice. Et fini. Bien. De 1, 1 qui est fini, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez déjà retravailler dessus. Et j'espère que quand je fais des trucs comme ça, que peut-être que les gens qui regardent, ils ont une idée, ils voient quelque chose, ils disent, oh, je vais essayer ça. C'est la raison pour expérimenter comme ça. Et s'il y a des questions, bien sûr, si les Il ne gens faut qui pas regardent, ils ont hésiter des dans le chat. questions, n'hésitez pas, oui. On est là pour répondre aux questions aussi. On essaie, Kyle vous donne plein de trucs et astuces au fur et à mesure. Donc, profitez, profitez. OK. Un autre. Et peut-être que, excusez-moi, pour ça, changer les couleurs. Changer les couleurs. Et on peut utiliser les aquarelles pour commencer. Alors tout à l'heure, au début de la session, je crois que c'est Pierre qui nous disait, ah ben je sais pas encore ce qu'on va voter, mais peut-être que le sport, c'est un peu plus la zone de confort. Et en fait, il découvre que le sport n'était pas plus dans ta zone de confort que la mode. Kyle sait définitivement tout dessiner. Est-ce que tu sais tout dessiner? Non. Je peux. En anglais, on a une expression fake it until you make it. C'est ça. Tu peux faire semblant tant qu'il y a jusqu'à ce que tu y arrives. Voilà. Ça dépend des situations. Parfois, il faut quand même s'entraîner avant de le faker. C'est quand même plus raisonnable. T'as raison. J'adore regarder comment les couleurs mélangent avec les aquarelles. C'est too fun. Après, il faut toujours faire, tu vois, on a bien la continuité entre le turquoise et le bleu, et on a une vraie rupture entre le rouge et le bleu.
Une espèce de Oui. zone claire qui apparaît. Du coup, parfois, faut trouver la couleur intermédiaire. Quand j'ajoute plus d'eau, Mmh. je peux voir comment ça change. Et moins d'eau ici. Oui, il y a Cette moins de couleur va mélange entre les pas. deux, entre les deux couleurs. Ouais. Rémi nous dit fresco est agréablement fluide. C'est vrai. Et c'est cool que je peux effacer les aquarelles. Je peux pas faire ça normalement. Alors attention, si tu effaces les aquarelles, moi le truc auquel j'essaye de penser aussi, c'est que tu effaces le pigment, mais t'effaces pas l'eau. Oui. Ouais. Ça peut servir, ça évite des surprises. Ça, c'est une base, si tu veux. Je peux sécher le calque. Et puis, j'utilise Watercolor Round Detail. C'est le brosse qui est rond et qui est plus pour les détails. Comme ça. Je peux dessiner plus simplement avec, plus facilement, pardon. Ouais, alors que là, tu étais plutôt sur des gros aplats qui se mélangent avec beaucoup d'eau. Delphine qui nous dit, pourquoi ne peut-on pas envisager Fresco avec un trackpad à défaut de stylet? Est-ce qu'il faut passer sur User Voice? Alors tu peux passer sur User Voice, mais je suis pas sûr que ça arrive un jour, parce qu'il y a vraiment l'idée d'avoir un stylet comme périphérique natif. Donc il y a ça sur Windows 10, mais il n'y a pas ça du tout sur macOS. Non, pas encore. Et je ne sais pas si ça va être quelque chose qu'ils ont fait bientôt. Je sais pas. Et si vous vous demandez bien ce que ça peut être, ce fameux User Voice, en fait, c'est le forum sur lequel vous pouvez poser des questions, vous pouvez demander aux équipes ce qu'elles pourraient rajouter pour vous faciliter la vie dans vos applications. Et donc là, il y a le User Voice de Fresco, je vais vous mettre le lien dans les chats. Et il y a des User Voice pour la plupart des applications. Donc n'hésitez pas à Oui. regarder quand vous voulez améliorer, et en général, on trouve dans le menu aide de l'application un petit lien pour partager des commentaires avec avec l'équipe. User Voice, c'est très très bien. Et je vous promets que les équipes, pour chaque application, ils lisent les commentaires là, les questions, les idées, tout ça. Qui viennent du public et ils essayent de justement de faire la priorité à celles qui sont alors d'abord celles qui Oui. sont faisables, hein, parce qu'on fait pas de magie non plus, mais celles qui sont les plus demandées, qui sont les plus importantes pour les artistes. Et on le voit d'ailleurs quand on est, tu sais, sur la page d'accueil de Fresco, on peut voir les fonctions qui vont arriver plus tard. Donc ça, n'hésitez pas, hein, si vous avez Fresco, regardez, vous avez les nouveautés et vous avez les fonctions qui arriveront un petit peu plus tard, tranquillement. Donc, C'est important d'utiliser parce que s'il y a plusieurs gens qui disent je veux ça, je veux ça, je veux ça, bien sûr, on va regarder, on va essayer de faire, mais s'il y a seulement deux gens entre 2 millions qui utilisent ce produit, patience, c'est difficile à prioriser, c'est ça? C'est quoi le Prioriser, je mot? crois. Prioriser, Ouais. merci. Ok, et maintenant?
On va ajouter des détails pour la mode. Et pour ça, je vais utiliser le crayon. Le côté Et puis, vaporeux du... C'est un côté vaporeux ou c'est juste des lignes de préparation? c'est, tu veux dire que c'est transparent, non? Est-ce que Quelque chose comme ça? c'est un peu comme du tulle, tu sais, comme une Ah danseuse, oui, ou est-ce que c'est tout, quelque oui. chose qui va te servir à construire et à dessiner un vêtement? Ah, mais je vais ajouter quelque chose beneath it, dedans. Et je vais vous montrer quelque chose. Attends. Dans Fresco, tu peux utiliser plusieurs couleurs sur un pinceau en même temps. Et moi, je voulais essayer de mettre quelques couleurs. Ah, tu ferais comme une espèce de laine un peu chinée, un peu. Comme ça. Attends. Voilà. Et pourquoi est-ce que ça ne marche pas? C'est quoi le problème? Est-ce Alors, est-ce que que tu je es fais sur le quelque bon chose? calque? Est-ce que tu es avec le bon outil? Oui. Ah C'est ça. Le seul qui peut pas marcher, c'est le pinceau, c'est le crayon, non. c'est ça? Oui. Non, il faut Voilà. partir sur des pinceaux, même des aplats de pinceaux. Oui. Voilà. Maintenant, ça marche. Sarah nous dit que c'est très joli, Christophe nous dit que c'est sublime et Nadine nous dit que c'est superbe. Wow. Merci, très sympa. Trop sympa, trop sympa. Beaucoup d'eau. Et mais pas beaucoup de flow. Et je vais juste faire ça, je vais Ah, tu vas faire glisser, tu vas toucher rajouter un peu de matière. un peu d'eau juste pour par toucher comme ça. Et ça va Ça va faire un diffuser, effet en fait, qui est tu vas diffuser. J'ai une question de diffusé, Nadine qui exactement. demande comment on obtient les couleurs multiples. Parce qu'elle n'a pas dû bien voir si tu peux le reprendre Il y a juste. deux méthodes. Premier, c'est d'utiliser ça, c'est notre, en anglais, on dit touch modifier. D'accord, ouais, le widget. Ouais. Et si je touche sur ça, avec un doigt et avec l'autre, je touche sur la toile, n'importe où. Eh, on voit en haut à droite, c'est écrit couleur multiple, tout en haut à droite. Ouais. Oui. Et comme ça, maintenant j'ai
plusieurs T'as plusieurs couleurs couleurs qui se... sont prêtes et qui se mélangent. C'est très utile. Parce que tu peux faire des pinceaux, des brosses, juste pour le document, juste pour ce que tu fais, immédiatement, des brosses custom, Des custom brosses, brush. ouais, personnalisées. Personnalisé, merci. Comme par exemple, si je veux faire un détail ici avec quelque chose qui est qui repaie, je peux te dire, je peux te voir, montrer ce que je veux expliquer ici. C'est plus facile de montrer. Je vais faire ça. Je vais utiliser charcoal. Charcoal, c'est des fusains. Fusain, oui. Et dessiner ça. Ah, c'est trop beau, attends. Ça. OK. Et je touche maintenant sur ça, sur le touch modifier. Je touche et je D'accord. touche ici. Et du coup, tu Et peux dessiner des maintenant. yeux. Oui, Tu vas pouvoir faire un mais tu paon, un peux pas. peacock. Maintenant, je vais changer le brosse à basic et je vais utiliser simplement hard round size, round variable ici. OK. Et je vais ouvrir mes settings pour Les paramètres, les réglages. paramètres. Et ici, tu peux voir que je peux changer l'espace entre Les différents les points, les instances différentes de... les empreintes, parce qu'on les tampons en fait, comme si tu avais les plutôt que d'avoir une peinture continue, tu avais des tampons de la du pinceau. Oui. Et puis, je vais changer direction et maintenant, tu peux voir, je peux essayer. Ça ici, je peux changer ici, je peux voir si ça marche comme je veux. Et sinon, je vais changer le... Est-ce que c'est le même mot en français? Angle? Non. Oui, c'est angle. Angle, voilà. Changer encore l'espace entre les instances de cette... Et je peux faire ça. OK? Et puis... Ajouter des détails comme ça. Tu vois? Oui, carrément. Et du Même coup. changer de couleur. Pour changer de couleur, il faut utiliser cette partie ici, le HSB sliders. Ici. Ouais. Et Donc les comme ça, tu petites. peux garder le Le même motif, mais on change la couleur motif. du tampon, de l'empreinte. Eh oui! Et du coup, quand vous avez besoin de fabriquer des colliers, vous pouvez y aller directement de cette manière-là. Plus voilà. En tout cas, ça plaît. Tout à l'heure, ils étaient en train de deviner si tu allais dessiner un chapeau ou un chapeau des années 20 ou une casquette de rappeur. Du coup, Pardon? tout à l'heure, dans le chat, ils me demandaient est-ce qu'elle aura un chapeau, la jolie dame? Est-ce qu'elle aura un chapeau? Est-ce qu'elle aura un chapeau Oh, des des années jolies dames ou des 1920? rappeurs? Ou une casquette de rappeur? Bah là, je pense qu'on est parti sur les années 20. C'est plutôt les années 20, 20 ici, je crois. Oui. Ah oui, je suis juste en train de faire des expériments. Je ne sais pas ce que je vais faire. J'essaie quelque chose et si je n'aime pas, je peux changer. Sinon, je garde, je laisse comme ça. Oui. Merci.
Mais je crois que ça va pour ça, je sais pas. Je peux continuer à jouer avec, mais on peut changer, on peut essayer quelque chose qui est différent. Chose qui est plus importante, c'est juste que Vous voyez. que vous avez des idées pour expérimenter pour vous-même. Ouais, faut essayer, faut s'entraîner, de toute façon, faut tester. C'est un peu l'intérêt d'être dans Fresco. On n'est pas sur un process particulier, comme quand on est sur Photoshop aussi, où on peut aller dans plein de directions différentes. Tu vois, je peux encore utiliser les petits doigts. Et si je veux, je peux faire ça. Ça ajoute quelque chose, je crois. Ouais, c'est pas mal, hein. Ça donne encore une direction, ça donne un peu de mouvement justement dans le dessin. Et Pierre qui nous réclame des plumes. Oui. OK. Un autre? Allez, suivant. Pour ça, je vais commencer avec une esquisse. Je crois que la plupart des gens, ils commencent comme ça, non? Je pense que c'est le minimum pour démarrer. Ouais. Ouais, j'utilise le crayon. Je veux faire. Une écharpe énorme. Christophe nous dit qu'il va se régaler avec ses travaux Photoshop et Illustrator. Et Nadine nous dit que les replays sont précieux pour pouvoir expérimenter et tester les techniques par la suite. Oui, j'espère pour les nouveaux, pour ceux qui ne sont pas au courant, que vous aurez découvert tout seul comme des grands les replays. Donc le fait de pouvoir regarder la session, de pouvoir faire des pauses, pouvoir accélérer ou ralentir. Et même que parfois j'essaye de minuter les sessions. Pas toutes, mais les sessions un petit peu longues avec trop de trucs et astuces, j'essaye de les minuter. Attends. Et du coup, l'écharpe, c'est quoi? C'est pour la fameuse affiche d'Aristide Bruant. C'était qui? C'était Steinlein ou c'était Lautrec? Des artistes qui ont fait ça? Ouais, tu sais, l'écharpe sur une affiche art moderne Oh, je de serais Aristide pas. Mais tu sais quoi, moi j'ai pensé à une photo qui était ridicule de Lenny Kravitz il y a peut-être 5 ans, 6 ans, où il y avait une écharpe qui était vraiment trop énorme. C'était. Est-ce que tu sais ce que je. Ouais, T'as vu je ça? crois voir, mais tu sais, il y a toute une tendance là en ce moment. Quand il y avait eu sur Adobe Max il y a 2 ans, ils avaient reçu Takeshi Murakami et Billie Eilish, et ils étaient tous les Oh deux habillés dans oui. des doudounes trop grandes. Et c'est, je suis pas très fort en tendance, donc on les voyait plus cachés derrière. Philippe me Peut-être conseille. qu'ils ont vu ce qu'il a fait, Lenny Kravitz, et ils ont copié l'idée. Une chose à la fois. Philippe nous dit que c'est bien Lautrec, c'est pas Steinlein. Steinlein, c'était il y a 2 semaines quand on a fait le chat. Ou non, non, il y a 1 mois maintenant. Ça fait 1 mois le chat.
Les ambassadeurs de Toulouse-Lautrec. Aristide Briand dans son cabaret. I should C'est know où? that. Je suis sûr que tu connais celle-là. Oui, peut-être quand j'étais en université, on a vu cette image dans mes cours d'histoire de l'art. Pardon, pardon. T'as forcément vu cette image. Tiens, regarde dans le. Dans ça plus. C'est juste pour toi. Je crois que Ça te je parle? vais mettre. Pardon? Tiens, regarde dans l'image. Je peux pas voir, c'est trop. Ah oh, Mais tu vois forcément. oui. Donc la fameuse image de Bruant par Lautrec, avec la grosse écharpe, et le chapeau, et la canne. Oversize fashion. Et ok, maintenant, je vais réduire l'opacité, changer l'opacité comme ça. Et encore, je crois que je vais utiliser. Qu'est-ce que j'utilisais? Il y a trop de choix, c'est ça le problème, toujours. Natural brush, j'aime ça. Oui, c'est sympa. Et maintenant, les couleurs. OK. Et je peux travailler avec des couleurs. En anglais, on dit analogous. Alors en français, ils ont mis couleur analogue. Ok, parfait. C'est vrai que ce serait sympa d'avoir dans Fresco le même genre d'outils que ce qu'on peut retrouver en plugin dans Photoshop. C'est pour attraper les couleurs analogues ou les outils de couleurs qu'on a dans Illustrator qui sont assez canons. J'ai pas compris. Tu sais, Pardon? quand tu es dans Illustrator, tu peux Oui. voir les couleurs analogues, tu peux voir la roue des couleurs et aller piocher directement sur les bonnes. Oh. Ouais, c'est vachement bien ça. Je peux pas parler trop de ça parce que tu sais, on a des trucs qui sont secrets, si tu veux, mais maintenant sur l'équipe, parce qu'on a engineers, je sais pas comment dire engineers. Des Ingénieur, gens, ouais. sur... pardon? Des ingénieurs ou des développeurs même. Développeurs, oui, qui travaillent sur couleurs, qui ont ils sont en train de développer des nouvelles choses Cool. pour Fresco qui vont donner des gens des options pour Ah, c'est bien ça. expérimenter avec des color palettes, tu sais. Ouais, ça c'est très très bien. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Ah oui. Pierre nous dit à chaque fois que j'entends Kyle dire et maintenant, il entend et maintenant, que vais-je faire? Mais c'est pas Ah, comme ça. je connais pas cette chanson. C'est quoi? Est-ce que c'est Serge Lama, ça? Je sais plus. Pas le footballeur, l'autre. Et moi je vois, il y a une pub avec une éponge. Que vais-je faire?
Putain, c'est Gilbert Bécaud, pardon, autant pour moi. Ah, je connais pas. C'est un vieux chanteur français. Je connais Jacques Brel. C'est un vieux chanteur belge. Et je connais Serge Gainsbourg. Un vieux chanteur bourré. Jean-Jacques Goldman. Ah oui, quand même. Ah oui. Dis donc. Là-bas. Da-da-da-da-da-da-da. Tu fais pas mal, hein. Il y a un truc. Et la femme qui a chanté avec lui sur cette Carole EP Fredericks? pour cette chanson là-bas. Ouais, je crois, c'était quand il était avec Jones, c'était Goldman, Fredericks et Jones à l'époque. Si, il a fait une chanson avec Céline Dion, c'était quoi? Bon, là, je sais pas. Duet. Ouais. Bon, les gens nous disent c'est The Voice. Mais non, c'est pas The Voice. Je vous assure, vous êtes toujours en direct chez Adobe France sur la chaîne sur beyonds.net/live/fr et sur la chaîne YouTube Adobe France. Du karaoké Adobe, dit Pierre. On peut faire ça. On peut faire ça, mais je vous ferai une session audition autour. Genre, comment supprimer les paroles pour pouvoir ne garder que la musique et faire vos propres musiques de karaoké. Et conserver quand même le texte pour pouvoir l'utiliser dans Première. Voilà, soyons fous. Je ne sais pas quand je mettrai en place cette session, je promets rien. Je sais pas ce que je fais maintenant. Je suis juste en train de. C'est amusant pour moi. J'espère que pour vous, c'est amusant. Pour l'instant, personne ne se plaint, donc moi je suppose que tout va bien pour tout le monde. Nadine nous propose un nouveau thème de dessin et chanson. Je suis sûr qu'on peut faire ça. Pourquoi On pourrait faire un thème dessin et chanson. Si vous voulez, je peux dessiner des chansons, mais on a des titres de chansons, on peut le dessiner littéralement. Ah, carrément. Ça peut être Ça peut être le amusant. thème pour la prochaine session. Ah non, on est Oui. en train de perdre Delphine qui veut partir maintenant. Ah non, c'est Sarah qui doit s'en aller. À très bientôt, Sarah. Il est 55-4. C'est normal que tu doives partir. Nous aussi, bientôt d'ailleurs. Merci d'être. D'être passé, d'être Oui, venu. merci, merci. À la prochaine, j'espère. Oui, on se donnera des bonnes occasions de retrouver Sarah. Ah, les paroles. Trop beau pour l'instant, oui, on s'éclate. Delphine me demande est-ce qu'on peut vraiment séparer les paroles de la musique dans Audition? Alors, c'est pas simple. C'est quand même plus facile avec les bandes originales. Enfin, les enregistrements originaux. Et enfin les bottes. Je peux cacher l'esquisse dans une seconde. Et on recommence là. Et maintenant, je vais juste rapidement, je vais faire des trucs avec Comics Halftone. Tu vois? Ouais, carrément. Il y a toujours plein de bonnes idées là-dedans. On va pouvoir récupérer de la matière, refabriquer de la matière là où il n'y en avait pas. Et
Crosshatch. Juste faire une sélection ici. Et pour les sharp aussi. Peut-être des lignes. Et on va finir avec un nombre. Oh, attends. Voilà. Nice. Du coup, ouais, tu as récupéré de la matière, tu as récupéré la trame avec les brosses. Et en prenant une couleur contraste, donc soit beaucoup plus claire, soit beaucoup plus sombre, tu arrives à redonner vie à ce dessin. Ça marche? Ça va? Et ben, ça marche super bien. Public, qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui OK. nous regardez. Alors si j'ai Delphine qui nous dit j'aimerais bien voir comment Kyle pourrait chiader, terminer le dessin. Donc est-ce que si t'avais beaucoup plus de temps, est-ce que tu rajouterais des trucs? Ah, Est-ce je sais que. pas. C'est sympa. C'est ça, on a toujours le public qui est impatient, qui en veut toujours plus. Rémi nous dit mission accomplie, j'ai juste envie d'aller tester tout ça maintenant. Ben, c'est le but. C'est que vous testiez et que vous nous disiez C'est ça le ce que but, vous oui, avez exact. retrouvé dessus. C'est le but. Christophe nous dit, c'est plus facile avec le stylo tablette qu'avec une souris. Ah bah oui, pour le Ah dessin, le oui, stylo, c'est impossible indispensable. avec avec souris, un peu impossible. Pas de pression, pas de. Oui. Nicky nous dit que comme d'habitude, c'est bluffant. Hugues nous dit que c'est super. Ah, merci, merci. Sublime, c'est top. Cool, merci. Avant, maintenant. Maintenant, ou juste un léger voile, peut-être moins d'opacité dessus, pour qu'il soit pas trop Pourquoi? Pour sur le cette violet, partie? sur le teint de saturation, mais tu sais, un peu plus les. Moins saturé pour quelle partie? Non, pour. Bah justement, tu mets le teint de saturation en violet, là, comme tu l'avais mis en couleur, et par contre, Oui. tu mets une opacité à 10-20%, properties de teint de saturation. Comme ça? Sur le blend mode, ouais. Tu sais, comme Comme ça unifie ça? un petit peu la planche. Ah Ça, c'est oui. les trucs magiques des comic artistes. On peut même changer avec la mode hue. J'aimerais bien faire ça. Ah, j'aime faire ça. Tu sais, quand tu. Ouais. C'est cool. Écoute, en tout cas, c'est bluffant et tout le monde a l'air ravi. Tout le monde est très content dans le chat. Merci Great. beaucoup encore une fois. Merci à toi, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve du coup très prochainement. Je crois qu'on a perdu tout Beyond parce qu'il est pile 17h. On se retrouve très prochainement avec Kyle d'ici 2 semaines. Non, un peu plus que 2 semaines parce que dans 2 semaines, il y a Adobe Max. Donc ce sera un petit peu plus tard. Nous, on sera demain avec Alexandre Soubrier pour parler des animations sur Lottie. Donc ça va arriver assez vite. Et il y aura la fin de la semaine avec un petit peu de photos et encore un petit peu d'identité visuelle. Et vous retrouverez tout ça, ben, comme d'habitude, sur la chaîne YouTube Adobe France et sur behance.net/live, Je suis sûr, slash Franck, que tu as FR. déjà dit ça beaucoup, beaucoup de fois, mais je veux juste le dire encore que Max est gratuit. Max, ouais, Faut carrément. enregistrer, c'est très cool comme événement. Je porte aujourd'hui mon t-shirt Max sur le site. Ah, trop bien! T'as des Et t-shirts Max, toi.
Moi, j'ai un lab. Tu peux enregistrer pour moi un lab. C'est Ouais. parfait aussi. Ouais. Une heure sur Fresco et les nouvelles trucs qu'on Trop a. bien. Ouais, je crois que la dernière session, on avait mis un lien vers ton lab. Je vais remettre le lien dans le chat du côté YouTube. Comme ça, Merci. vous pourrez retrouver ça. Et comme ça, Cool. vous nous suivez et vous suivez Kyle. Ce sera très, très bien. Merci à toi. Merci à tous. Je vais faire un sign-in ici et je vais vous donner le lien du live de Kyle. Et on me dit, est-ce qu'on peut voir les dessins précédents, nous demande Pierre. On les verra, je voulais les mettre sur Instagram et Kyle les repartagera. Hop. Donc Oui. voilà. Allez, je vous mets ça dans le chat. D'ici là, bonne fin de journée à tous et à très bientôt. Bye bye. Bye.